de la capacité d'apprendre et la tête médiocre, la vie serait superficielle. Mais si vous avez une bonne tête, je parle de toi. Et si tu as une tête brillante, je parle de toi aujourd'hui. Il dit que il ne sera pas comme vous savez, la tête est en bas. Et il ne peut pas donner le contrôle ou le, comment, le, ordonner le reste du corps. Je prie que nos gens, ici, là-bas, partout, n'importe où vous êtes, que le Seigneur fasse de vous la tête. Maintenant, maintenant, maintenant. Si le Seigneur doit faire de vous la tête, vous ne devez pas perdre votre tête. Une fois que vous perdez votre tête, alors vous avez tout perdu. La tête. Est au contrôle de tout le corps, le, au contrôle de toute la vie, au contrôle de progrès, au contrôle de toutes bonnes choses que le Seigneur a jamais dites concernant votre vie. Perdez votre tête et vous perdez toute autre chose. Et c'est pour cette raison que les gens, lorsqu'ils vous regardent, ils prennent cette action, vous prenez cette action, vous faites ceci, vous faites cela. Ils savent que la façon dont vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'aller tomber dans un trou. Et c'est à cause de ce que les choses se produisent autour de vous que votre tête va là-bas, va là-bas, et la tête va de ce côté et va de l'autre côté. Et vous dites, hé, hey, on dit, monsieur, faites attention, ne perdez pas votre tête. Et il dit, ah, femme, regardez votre famille et regardez comment les choses sont en train d'être faites par vous. Ne perdez pas votre tête. Et je voudrais dire à toute l'Église, quel que soit ce qui vous, se passe autour de vous, quel que soit ce qui ne se produit pas autour de vous, Restez seulement tranquille et voyez, regardez seulement, tout sera bon. Et vous ne devez pas perdre votre tête. Dites à celui qui est à côté de vous, regarde-le droit dans les yeux et dis ne perds pas ta tête. Dans la vie chrétienne, lorsque nous parlons de la tête, le H, en anglais, c'est la sainteté. Ne perdez pas votre sainteté. Lorsque vous perdez votre sainteté, vous avez perdu la tête. Et vous allez au bout, là où vous, le Seigneur est en train de vous envoyer, vous ne pouvez pas aller là-bas. Et le E, c'est l'excellence. Ne perdez pas votre excellence. L'excellence, c'est d'aller de l'avant, d'aller de l'avant et d'être progressif à tout moment. Et lorsque vous perdez votre excellence, vous savez, quelque chose s'est passé. Et on dit que vous êtes, euh, vous êtes un bon ingénieur. Prenez l'exemple. Et les gens qui travaillent autour de vous, ils font quelque chose comme ça. Et vous dites, mais qu'est-ce que vous faites Qu'en est-il de ceci Et qu'en est-il de ça Et si c'est ça, alors laissons l'excellence. Et que, que nous étions en train de courir après depuis tout ce temps. Et lorsque vous faites cela, ceux qui ne connaissent pas la raison pour laquelle vous n'êtes plus excellent, vous n'êtes plus extraordinaire, ils vont penser que euh, c'est ta faute. Ils ne vont pas savoir que c'est la faute de ceux qui sont autour de toi. Et toi qui es la tête, la sainteté, numéro 2, l'excellence, ne perds pas ton onction. Si tu es un prédicateur, si tu es un croyant, si tu es un, un enfant de Dieu, il y a une onction qui repose sur toi. Et si tu ne dois pas perdre ta tête, tu ne dois pas perdre ta sainteté, tu ne dois pas perdre ton excellence et tu ne perdras plus non plus ton onction. Ton onction, mais non. Les gens qui sont connus comme la distinction, ils sont connus pour la distinction, je vous l'ai dit. Regardez Moïse avec le bâton dans sa main. Vous pouvez savoir que Moïse était distinct. Et vous regardez à Josué, et vous regardez Josué, vous allez voir, il est celui-là qui a dit au soleil, attends-toi là, arrête-toi là. Ça c'est sa distinction particulière. Vous n'allez pas trouver une autre personne qui ait jamais fait ça dans la vie. Regardez Isaïe, et vous allez voir dans sa vie, disant, on le disant, va dire à Ézéchias, cet homme sans kérib qui est en train de venir contre toi, il ne va pas retourner par le chemin qu'il a pris pour venir vers toi, et 185 000 soldats seront tués en une seule nuit. Vous n'allez pas trouver cela, cela dans la vie de tout le monde. Chaque prédicateur, chaque pasteur, et chaque prophète, et chaque professionnel a une particularité qui lui est distincte. Et personne ne peut dire il fera de toi la tête. C'est comme il a de dire il a te dit la tête il parle de ta sainteté. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il parle de son excellence, de ton excellence. Ça, c'est ce que Daniel avait reçu. Il avait un esprit supérieur en lui. Et aussi ton onction, ton onction, ta distinction. Et le Seigneur fera de toi la tête. Donnez-moi un bon Amen. Et vous rappelez, vous rappelez, vous ne perdez pas votre tête, la sainteté, l'excellence, l'onction, la distinction. Et je vais voir le verset 13. Le verset 13, le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris. Aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la possession complète de notre ou de nos bénédictions d'alliance. La possession complète de nos bénédictions d'alliance. Nous allons voir trois points dans l'enseignement. Nous allons voir numéro un, les promesses conditionnées de la part de notre bienfaiteur de l'Alliance. Il est celui-là qui nous donne la, la bénédiction. Il est notre, béné, notre béné, bienfaiteur. Et il nous donne la condition des promesses qui sont conditionnées, des promesses qui sont attachées à l'Alliance. Mais c'est des promesses lorsque vous les regardez de façon près. Et, et, et voilà dit que je vais posséder, je vais les préserver dans ma vie. Ces promesses sont des promesses de l'Alliance, mais qui sont conditionnées. Numéro 1, alors, les, les promesses conditionnées de la part de notre bienfaiteur de l'Alliance. Et le point numéro 2, nous parlerons de privilèges conférés des croyants qui gardent l'Alliance. Les croyants qui regardent à l'Alliance de Dieu et qui regardent aux conditions qui sont posées, et qui veulent posséder le privilège et l'accomplissement de cette alliance. C'est de nous parlons donc le privilège conféré des croyants qui gardent l'Alliance. Et numéro 3, nous parlerons de la prière courageuse de tous les, bienfaits, de tous les bénéficiaires qui gardent l'Alliance. La prière que nous faisons, ce n'est pas juste que nous sommes au, au bas niveau de la prière, la, la prière ordinaire, la prière répétée, la prière que nous avons toujours faite. Toutes les fois que nous prions, nous commençons de la même manière, nous finissons de la même façon et de à continuer comme ça, quel que soit le message que nous entendons et quel que soit le défi que nous avons et quelles que soient les nouvelles conditions que le Seigneur place dans nos cœurs, nous faisons la même prière à tout moment. Il dit non, mais la prière courageuse de tous les bénéficiaires qui gardent l'Alliance. Nous allons venir au point numéro 1. Le point numéro 1 est intitulé Les promesses conditionnées de la part de notre bienfaiteur de l'Alliance. Nous allons voir maintenant dans Exode, Exode 19, verset 5. En regardant à tous ces versets que nous allons lire, vous allez voir le mot si, le mot si. Et c'est la condition. Si tu fais ceci, alors moi, je ferai l'autre. Si l'homme, la femme, le garçon, le, la fille, fait ceci, alors moi, le Tout-Puissant, je ferai ceci. Il est en train de rechercher le, la, le partenariat divin, humain. Et le Seigneur est celui qui a établi l'alliance. Et il dit que si l'homme, l'humain sur la terre, va faire ceci, alors moi qui est au ciel, voici ce que je vais accomplir. Regardez cela. Le mot dans votre Bible, toutes les fois que vous lisez la Bible et vous lisez les promesses, toutes les fois que vous lisez quelque chose que Dieu a dit qu'il va faire. Parce que vous regardez ce mot, si, 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 Exode 19, le verset 5, Exode 19, le verset 5 dit, Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il voudrait que vous éleviez au-dessus de tous les autres que vous connaissez, au-dessus de ceux qui vous entourent, au-dessus de tous ceux-là qui sont dans votre cercle immédiat de relation. Et malgré cela, il dit Bien, je vais te lever, je peux le faire, c'est ce que je vais faire, et ça, c'est ma volonté pour toi, ça, c'est ma passion pour toi. Mais il y a une condition à remplir. Si toi, tu écoutes ma voix, et si tu gardes mon alliance, alors tu m'appartiendras. Tu seras un peuple qui va m'appartenir parmi tous les peuples car toute la terre est à moi. Le verset 6, le verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Regardez, regardez le chapitre 23, Exode 23, nous lisons le verset 22, Exode 23, le verset 22, il dit mais... Si, vous voyez encore cela, c'est la condition, c'est conditionné, ne peut pas nous lever et dire, voilà, 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 bénis-moi, 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 et le Seigneur va te dire, mon fils, ma fille, obéis-moi d'abord, obéis-moi d'abord, et tu vas dire, non, oublie cela, oublie cela Dieu, je n'ai pas l'intention de t'obéir, je n'ai pas l'intention de vivre la vie juste. Je veux juste. Je n'aime pas la sainteté, mais j'aime la guérison. Et le Seigneur te dit maintenant, voyons, tu veux me faire, tu veux faire de moi ton serviteur. Je ne peux pas être ton serviteur. Va et guéris-moi. Va et fais ceci. Va et promets-moi. Va et élève-moi. Non, mais tu ne veux pas hein, obéir à la condition qui est déposée là, qui est placée là. Il dit, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai... Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Et le verset 23, il dit, Mon ange marchera devant toi, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Le verset, 24, le verset 24, il dit Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Ça, c'est la condition. Vous ne n'êtes pas en partenariat avec des incroyants, avec des pécheurs avec des, rebellis, des rebelles, avec des gens désobéissants, avec des gens qui vont, prendre, qui vont se placer comme des idoles. Vous n'êtes pas en train de supporter leurs idoles ou leur, leur idolâtrie. Vous ne supportez pas leur adoration de, de terre, de mold de terre, mais vous supportez la parole de Dieu, vous supportez Christ, le vrai Fils de Dieu. Et vous n'allez pas vous soumettre ou prosterner devant n'importe quelle image comme Nebuchadnezzar ou, ou Pharaon. Si vous voulez être obéissant à la voix de l'Éternel, alors il dit Voici ce que vous devez faire, le verset 25. Vous verset 25 Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous ne, vous ne vous servez pas. Lorsque vous êtes content, vous faites un bon service. Et lorsque vous n'êtes pas content, alors vous vous rendez un service qui est sans valeur. Vous ne servez pas Dieu. Vous êtes en train de servir le moi. Et la condition du moi, et la condition, la condition de votre corps, et la condition de votre famille détermine le, 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 le sort de service que vous rendez. Ça, ce n'est pas le service à Dieu. Mais il dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain, et bénira vos eaux, et j'éloignerai du milieu de toi la maladie. Rappelez-vous le mot si. Vous obéissez à sa voix. Deutéronome chapitre 7, le verset 12. Deutéronome chapitre 7 et le verset 12. Si, vous voyez encore ça, si la condition est toujours là, et si vous courez seulement, vous courez seulement pour dire, priez, 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 priez. Et il y a, la prière, c'est quoi C'est la clé, c'est vrai, mais l'obéissance, c'est la clé. Et courir après Dieu. Et remplir les conditions, oubliez la condition, c'est c'est la c'est ça la clé. Vous savez, vous chantez chanter, faire ceci, eh, la prière, la clé, la prière, la clé. Jésus a prié, et la a prié, prié, Tout le monde dit la prière est la clé. Les prières sont faites par les pécheurs aussi. La prière n'est pas la clé. La repentance, c'est la clé pour les pécheurs. Hein? Les de prient. La prière n'est pas la clé. C'est l'obéissance qui est la clé. Il dit que si vous obéissez, si vous écoutez mes ordonnances, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Verset 15, verset 15, il dit verset 15, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Vous donnez-moi un bon amen là. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Un autre amen. Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Il dit au verset 1, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis. Je me pose la question, pourquoi les gens, ceux qui lisent la Bible, disant qu'ils appartiennent à une église biblique, je me demande pourquoi de telles personnes et comment ils, 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 ils omettent la condition. Ils enlèvent le si et ils vont aller sur le reste du verset. Et ils sont en train de rechercher eh, les bénédictions de Moïse sur leur vie, sur leurs actions, les actions de Corée, d'Atan et d'Abiram. Ils sont en train de rechercher les bénédictions de l'obéissance ou des gens, des apôtres obéissants et, et, et dédiés au Seigneur. Et ils ne veulent pas vivre la vie des apôtres. Ça, ce n'est pas possible. C'est très important. À un moment pareil, lorsque nous sommes de considérer l'alliance de Dieu, il est en train de dire clairement là que cela va arriver si tu obéis. Ce n'est pas Lorsqu'ils obéissent, ils oublient ce qu'ils font. Mais si tu veux la bénédiction de Dieu, si toi tu recherches la bénédiction de Dieu, que la bénédiction de Dieu serait sur toi, si tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Maintenant, l'Église est une nation. C'est ce que vous allez découvrir dans le Nouveau Testament. Et il dit qu'il fait de nous une nation sainte. Nous pouvons aussi parler de cette Église et nous allons dire, voici une Église, une nation sainte. Nous pouvons penser à l'autre Église de l'autre côté là-bas, quel que soit le nom de cette Église, une nation, 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 ainsi. Maintenant, toutes ces églises, nation ici, nation là-bas, nation de l'autre côté, la raison pour laquelle le Seigneur va bénir quelque église que ce soit, quelque rassemblement que ce soit, quelque rassemblement ou assemblée que ce soit, c'est ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, mais... Vous savez, aujourd'hui, maintenant, les membres, nos membres, les ministres, les ouvriers, les leaders, <laughs> des fois, on doit, et ce n'est pas que nous sommes réellement en train d'aller de l'autre côté ou dans les autres églises là-bas, non. Mais aller, pour aller emprunter quelque chose et les transplanter ici dans la vie profonde, mais non. Mais peut-être que quelqu'un est de faire quelque chose de l'autre côté et vous voulez aller là-bas. Et si quelque chose se passe là-bas, peut-être que ce n'est pas le temps pour vous aller vous allez là-bas. Et vous, nous disons quelque chose là-bas, nous disons, et vous dites, c'est comme si ces gens-là, de l'autre côté, ils ne sont pas en train de suivre totalement tout. Vous pensez ainsi au, premi au, pre au premier abord. Et là, après ça, vous allez vous dire, oh non, ce n'est pas grave. Si l'autre église fait cela, pourquoi nous aussi, nous ne le faisons pas si nous ne le faisons, si nous le faisons pas, c'est parce que nos bénédictions ne dépendent pas de ce que cette église est en train d'être copiée. On va copier l'autre, copier l'autre église, copier l'autre. Notre bénédiction, c'est une bénédiction conditionnée, conditionnée sur des promesses conditionnées, avec une puissance conditionnée, avec un déversement conditionné de la bénédiction déversante de Dieu. C'est lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en obéissant. Et en mettant en pratique tous ces commandements, ce n'est pas tout ce que tu vois de l'autre côté, ce que tu as vu là-bas, ce que tu as entendu de l'autre côté avec les autres personnes là-bas qui sont en train de faire. Non, mais c'est plutôt lorsque tu fais selon les ordonnances que tu as reçues de sa part, que je t'ordonne aujourd'hui, que je te précie aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Sur toutes les nations... Toutes les églises, tous les rassemblements, toutes les assemblées, toutes les communes. Mais si tout le monde rabaisse le standard, les autres églises incluent la vie profonde. Si nous abaissons le standard et que nous ne pensons pas à, à, à l'arrivée, le retour du Seigneur, nous ne pensons pas à l'enlèvement, nous ne pensons pas à ce que cela exige pour aller au ciel et que nous sommes maintenant au même niveau que les autres. Alors, le, le, nous serons piétinés. Nous n'aurons pas de distinction. Il n'y aura pas de différence entre nous et le monde. Et ce qui se passe dans le monde, que l'apôtre dit que je ne vais pas laisser, et le Seigneur dit qu'il ne va pas laisser les, les, les maladies du monde, de l'hésiter sur vous, vous allez voir que les mêmes maladies qu'ils ont, vous les, a, vous les aurez au milieu de vous. Parce que quoi nous ne sommes pas en train de regarder à la condition et nous ne sommes pas en train de nous distinguer loin des autres. Nous perdons notre tête. Nous perdons notre sainteté. Nous perdons notre excellence. Et ce que les gens nous connaissent, ce pourquoi les gens nous connaissent, nous perdons notre onction, l'onction qui brise tous les jours. Et nous perdons notre distinction. Et alors, nous serons comme les autres églises, comme les autres, les cafards, les serpents, les rats. Et tout le monde sera en train de, 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 de ramper sur nous. À Dieu ne plaise au nom de Jésus. Et il dit que cela va arriver. Lorsque tu vas obéir, tu vas obéir à la voix de l'éternel, ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Quelqu'un est sauvé, il est plus élevé que celui qui est pécheur. Quelqu'un qui est sanctifié, il doit être plus élevé que celui-là qui est juste au niveau de salut. Et quelqu'un qui est rempli du baptême de cet Esprit, il, est, il doit être plus élevé que celui qui est juste à la surface sauvé sanctifié. Ça. Cette élévation doit être là, et cette promotion doit être là, et cet, cet avancement doit être là, et il dit que je vous mettrai en supériorité sur toutes les autres nations de la terre, et le verset 2, le verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, et qui seront ton partage lorsque tu... Voyez-vous, Lorsque tu danses la condition est encore là, lorsque vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, priez, et il n'y a pas de réponse, retournez et ré examinez. Est-ce que je suis en train de mettre la condition? Est-ce qu'il y a quelque chose de la part de Dieu que je dois faire, que je n'ai pas en ce que je suis pas en train de faire, ou que je ne fais pas tel que je le fais? Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que mon cœur est cet éloigné de Dieu? Est-ce que ma vie est en train de piétiner la parole de Dieu? C'est lorsque nous examinons les conditions. Est-ce que nous sommes en train d'accomplir les conditions ou non? C'est lorsque nous examinons les choses qui précèdent l'accomplissement de la promesse de Dieu que nous découvrons si je ne suis pas en train de, de, de faire tel que cela doit être dans les grandes et les moindres choses. les gens, Il y a certains qui disent oh, Ce n'est pas grand, ce n'est pas grave. Je sais que c'est bon, mais ça là c'est petit. Je sais que ce n'est pas juste, mais ça là c'est petit. Je sais que ce n'est pas juste, mais ça c'est petit. Mon frère, est-ce que tu as jamais considéré, ma soeur, tu as jamais considéré que le lion ne tue jamais des milliers dans une année dans notre continent africain. Mais, ça veut dire que le moustique, le, le moustique, oh, le moustique on ne veut rien dire, mais le petit moustique peut tuer des milliers de gens. Le lion ne tue pas en une année. Ne peut pas tuer une personne en une année, peut-être, mais vous allez voir le petit, petit, petit moustique peut tuer. Des, vous allez que pas, vous allez voir le paludisme, l'autre côté paludisme, de l'autre côté paludisme. Mais comment est-ce que c'est possible que le petit moustique est en train de tuer des milliers de gens, plus que le lion ne tue des gens, dans une année, les grands, grands péchés hein, ne viennent pas le plus souvent. C'est les petits petits moustiques, moustiques péchés de moustiques, hein? les péchés de moustiques ou les moustiques péchés. Je peux le dire qui tue la vie spirituelle et c'est ce qui enlève la bénédiction loin des gens, loin de nous. Et voilà pourquoi il dit. Regardez ce que Dieu dit, regardez ce que Dieu déclare et regardez ces petits, petites choses, les petits petits, les petits petits renards qui sont en train de détruire la vigne. Et il dit que ces bénédictions descendront sur vous et prendront votre possession. Si vous écoutez, lorsque vous obéirez, vous obéirez à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et le verset 6, là, le verset 6, il dit... Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Regardez le verset 8, regardez le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Verset 9, verset 9, il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Ce n'est pas des gens riches, mais un peuple saint. Ce n'est pas juste des gens réussis, mais des de fermiers réussis, mais un peuple saint. Ce n'est pas seulement des professionnels progressifs. qui veut nous établir pour que nous soyons des peuples saints pour lui, comme il te l'a juré. Lorsque, lorsque, lorsque tu obéiras, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Verset 11, verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12, verset 12, il dit L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains, et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point Rappelez-vous que il y a si et lorsque si vous ne venez pas pour suivre pour, suivre, pour être fraudulent, si vous n'êtes pas euh, frauduleux ou euh, euh, voleur un voleur très très rusé vous volez au bureau, ou vous volez dans votre entreprise, ou vous volez de façon très, très mystérieuse, que personne ne peut savoir, personne ne peut jamais même suspecter que celui-là, cet homme, cette femme est un, une voleuse ou un voleur. Si vous ne volez pas, si vous n'êtes pas frauduleux, si vous n'êtes pas en train de jouer. Au jeu, au jeu sur l'internet, les, les, euh, les choses qu'ils font sur l'internet pour être dans la cybercriminalité. Si vous ne le faites pas, si vous êtes obéissant à la voix de l'éternel, votre Dieu, alors il vous bénira au-dessus de tous les peuples qui sont en train de voler, tous les gens qui sont en train d'être frauduleux. Il vous bénira au-dessus d'eux, au nom de Jésus. Et. Tu n'emprunteras point. Mais tu prêteras beaucoup de nations. Mais souvenez-vous de si, le si, le si. Très important. Le verset 13. Le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête. La sainteté, l'excellence, l'onction, distinction. Si la tête n'est pas distincte, ça ce n'est pas la tête, ça. Si la tête est un médiocre. Ça, ce n'est pas une tête. Si la tête, si on l'appelle ainsi, n'est pas ouinte, et n'a pas le courage, la passion, la, le pouvoir, et n'a pas, elle n'a pas la force spirituelle, ça, ce n'est pas une tête. Si la tête est en train de rouler, rouler seulement à tout moment, quelque chose se passe. Et la tête n'a pas le contrôle de soi, n'a pas la maîtrise de soi, la discipline de soi, n'a pas la maîtrise ou le, euh, le soutien sur sa vie. Surtout tout ce qui l'entoure, ça, ce n'est pas une tête. Si la tête est timide et euh, peureuse, et à tout moment qu'il y a petites, petites choses qui sont en train de se passer, des choses pygmées qui sont en train de l'intimider, ça, ce n'est pas une tête. C'est lorsque quelqu'un, debout, élevé par le Seigneur, et le Seigneur fait de lui la vraie tête. Vous pouvez dire en le regardant, voici une tête. Je vous, je vous indexe là-bas, là. Je dis, voici une tête. Vous pouvez le dire, voici une tête. Ce n'est pas lorsque vous voyez quelqu'un une tête, que vous voyez que la personne est là seulement euh, ordinaire pour le pousser ici, pousser là-bas et piétiner cette personne. Non, les choses vont changer dans votre vie. Il dit que le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque, ça c'est la condition, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Verset 14, verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Verset 15. Le verset 15. Mais si tu obéis, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voyez-vous les deux côtés Dieu. Il est un bon Dieu, un grand Dieu, un, un Dieu équilibré. Si tu obéis, voici les blessures qui te suivront. Si tu désobéis, quel que soit qui que tu sois, quelle que soit la personne que tu sois, ton nom, ta stature, ta, ta fermeté, ta position, quel que soit ce qui t'a fait de par pas le passé, qui que tu sois, qui que tu sois. Il dit que pour les enfants d'Israël, si vous n'obéissez pas, si vous ne suivez pas, voici ce que vous aurez. Je prie que nous allons nous positionner dans un lieu de bénédiction à tout moment au nom de Jésus. Regardez Esaïe, chapitre 1. Esaïe, Esaïe 1, verset 16. Esaïe 1, verset 16. Il dit, lavez vos mains sales. Il dit, lavez -vous vos mains Sale, l'environnement sale, votre habillement sale, lavez-vous, il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Et le verset 17, le verset 17, il dit, apprenez à faire le bien. Apprenez à faire le bien. Apprendre, prendre des demande d'efforts. Apprendre demande la concentration. Apprendre demande la persévérance. Regardez, lorsque nous étions à l'école, nous avons essayé d'apprendre l'alphabet. Et c'était très étrange. Mais vous avez continué jusqu'à ce que vous avez maîtrisé l'alphabet. Nous avons appris les mots difficiles. Mais nous avons réussi dedans. Nous avons appris la construction des phrases. C'était difficile. Mais nous avons réussi. Nous avons appris comment écrire. Et écrit une rédaction, la composition. Nous avons réussi, finalement, nous avons appris beaucoup de choses, mais l'apprentissage demande d'efforts. Cela demande la pensée de l'homme, cela demande le cœur. Je veux apprendre. Pourquoi nous avons appris toutes ces choses, hein, des, des sujets difficiles, des matières difficiles Parce que nous regardions au futur. Notre futur, lorsque nous aurons fini avec l'école, notre futur, lorsque nous allons avoir nos diplômes, notre futur. Parce que nous regardons au futur je veux devenir et faire ceci, faire cela, sortir de cette, de cette école, euh, le, le, le primaire, le secondaire, euh, l'université. Je veux sortir avec un diplôme. Alors, c'est pourquoi nous avons essayé d'apprendre. Il dit, « Apprenez à faire le mien. » Vous savez, des fois, il se peut que notre ancienne habitude va vouloir revenir. Mais vous allez dire, « Non, je veux apprendre. Je veux persévérer. Je veux rester dans la diligence. » Pourquoi? Parce que nous regardons au futur. Le futur dans le ciel. Le futur, nous voulons sortir de, ce, de cette terre. Si nous avons réussi avec un bon diplôme, un bon diplôme où on va nous dire félicitations, nous sommes venus dans cette vie et nous sommes sauvés. Nous avons appris à faire ce qui est bien selon l'ordonnance d'un enfant de Dieu et après cela, nous savons, nous sommes devenus sanctifiés et nous avons mené la vie sanctifiée. Nous sommes persévérants, nous sommes focalisés et nous sommes restés tous à garder l'apprentissage. L'expérience que nous avons reçue de la part de Dieu dans la, au salut et à la sanctification. Cela demande la focalisation. Cela exige une pensée ferme. Cela exige quelque chose qui va dire Je regarde à la tête, je regarde devant. Je regarde à ce moment où je vais quitter la terre pour aller à l'autre côté, pour l'élévation. Le second niveau, le ciel. Voilà pourquoi il dit Apprenez à faire le bien recherchez la justice protéger, l'opprimer, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et le verset 18, il déclare, venez et plaidons, venez et plaidons. Dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Regardez le verset 19 à présent. Si, si. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, tout ce qu'il nous a dit de faire, c'est là la bénédiction va venir. C'est le chemin de la bénédiction. C'est le chemin de la réception de bonnes choses de la part de Dieu. dont il a des choses qu'il a promises dans l'Alliance. Si vous avez de la bonne volonté, vous, vous êtes docile. Vous mangerez, vous mangerez, vous mangerez les meilleures pressions du pays. Un très bon amen. Regardez le verset le verset 20 à ce niveau. Mais si vous résistez. Voyez Dieu, voyez-vous Dieu, voyez-vous Dieu, il dit que si vous êtes obéissant, vous êtes docile, ça c'est Dieu, pourquoi tu vas, ne force nous pour être obéissant, non, non, Dieu ne force personne, est-ce que tu ne peux pas nous forcer d'être désobéissant, non, je vous ai donné la grâce, vous êtes sauvé, vous pouvez le faire, je vous ai accordé l'ancien, vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez le faire, il a déjà envoyé l'ancien, l'ancien demain est là, si vous voulez obéir, l'opportunité est là, vous avez le cœur pour obéir, vous allez recevoir la force pour obéir. Maintenant, si vous êtes docile et obéissant, vous allez manger les meilleures production du pays. Mais, ça c'est votre choix. Si vous êtes un agent moral libre, vous avez la libre arbitre. Le libre arbitre, je vous l'ai dit, et vous allez choisir. Il y a des conséquences d'obéissance et de la conséquence de la désobéissance. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive. Car la bouche de l'éternel a parler. Le point numéro 2, le point numéro 2, nous considérons le privilège conféré des croyants qui gardent l'alliance. Ceux qui croient au Seigneur et qui le démontrent, ils croient au Seigneur et ils ont l'évidence de cette foi en Dieu, le privilège que ces gens reçoivent et le privilège qui a confirmé ou conféré à ces gens-là. Nous sommes en train de reconsidérer Genèse 22, Genèse 22, verset 17, Genèse 22, verset 17, et dit, Je te bénirai, et je te multiplierai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Pourquoi sur quelle base? Regardez le verset 18, 18, et dit Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que, parce que, parce que, ce n'est pas parce que. C'est ce que tu as dit, il va faire et il va le faire ainsi. Que tu sois juste ou pas, il va le faire. Que tu sois en haut, en haut ou en bas, je vais le faire. Que tu sois dans la justice ou dans la méchanceté, je vais le faire. Non. Il dit, je vais faire ceci, faire ceci, faire cela parce que tu as obéi à ma voix. Parce que, parce que tu as obéi à ma voix. Regardez Somme 119. Somme. Somme 91, plutôt, verset. Somme 91. Somme 91, il dit, le Somme 91, le verset 7. Il dit Mille tomberont à ta gauche, dix mille à ta droite, cela ne t'atteindra pas. Vous savez, pour les enfants d'Israël, des milliers d'eux, des milliers d'eux, ils sont sortis de l'Égypte. Personne parmi eux n'était faible dans leur tribu. Pourquoi et comment et il dit qu'il envoie sa parole et il les guérit tous. Et il les délivra de la destruction. Pourquoi Il y avait une, un parce que. Il y avait un parce que. Regardez notre église, regardez tous nos frères, un peu partout ici à Lagos et un peu partout dans tout le monde entier, dans toutes les régions, dans toutes les congrégations. Et regardez comment les milliers ils sont. Et. Tout le monde, pas de méchanceté, pas de d'infirmité, de, 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 pas de destruction, pas de folie, pas de, de maladie qui descend sur qui que ce soit au nom de Jésus. Mais il dit, je dis, est-ce que c'est possible que cela soit ainsi que personne ne soit malade parmi nous? Oui, si nous remplissons les conditions, dix mille tomberont au dehors là-bas sur ceux qui sont dehors. Et 10 000. De l'autre côté, dans les, les, les gens religieux les traditionnels, les adorateurs traditionnels, 10 000 à ta gauche, 1 000 à ta droite, mais ça ne t'atteindra pas. Verset 8, verset 8. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le verset 9, Somme 91, verset 9. Car, 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 tu es mon refuge. Tu as fait de l'éternel ton refuge. Ô oh, éternel, tu fais du très haut ta retraite. Tu as fait de l'éternel l'époux, notre sauveur, notre pourvoyeur. Tu as fait de lui notre bouclier, notre refuge, notre habitation. Regardons par exemple votre mari est physiquement avec vous. Et il y a un certain un, certain, un certain monsieur quelque part qui vient te proposer des choses et ton mari est là en train de te regarder avec l'homme et tu as train de regarder ton mari même un pêcheur un pêcheur généralement lorsque le pêcheur une pêcheresse une femme pêcheresse est attachée à cette à ce monsieur qui est en train de lui faire des avances lorsque le mari est là en train de regarder vous ne parlez pas, est-ce que c'est possible que le, la pécheresse peut faire ça Maintenant, qu'en est-il d'un croyant À mon plus fort raison, un croyant. Si le Seigneur est là, son habitation, votre habitation, si le berger est là, dans votre habitation, si dans votre conscience, il est là, vous êtes conscient que le mari est là, le mari est là, l'époux est là, et que toutes ces autres personnes qui ont les œuvres de la chair viennent et vous font des avances. Si vous êtes consciente que l'époux est là, vous êtes conscient que l'époux est là, présent est là, le présent est là, et ou bien, je vais dire, le, le, le Seigneur est là. Est-ce que vous allez répondre aux avances Répondez-moi. C'est non. Maintenant, si un soi-disant croyant est en train de se soumettre à quoi que ce soit, les œuvres de la chair, les activités de péché, et il est en train de faire des choses qui ne voudront pas voir la lumière du jour. Alors, il n'a pas fait du très haut son habitation. Et puisqu'il n'a pas fait du très haut, le Seigneur, l'éternel, son habitation, et qu'il est en train d'agir comme si le Seigneur n'existe pas, le, le, cet homme est un athée. Cette femme, femme d'église, homme d'église, est un athée. Il ne croit pas que Dieu voit ce qu'il est en train de faire. Il connaît la parole de Dieu dans sa tête seulement, mais il n'a pas le cœur pour en être obéissant. Il n'a pas fait du très haut son habitation. C'est pour cela que cette choses se produisent. Regardez le verset 10. Et le verset 10, il dit Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 12. Verset 12, il dit au verset 12. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Est-ce que vous suivez le malheur le, avec le diable? Avec le diable, se sont placés comme euh, euh, comme, pied, comme, pied, comme euh, piège. Si vous êtes obéissant, vous pouvez ne pas voir le, la, le piège du diable. Mais le Seigneur a déjà vu le, la, le piège du diable. Mais puisque vous êtes obéissant envers l'Éternel et puisque vous faites de Dieu votre, son, votre habitation, lorsque vous allez vous êtes en train de partir que la, le piège est là et Vous voulez tomber, l'ange vous soulève et vous évitez le piège. Mais si vous êtes désobéissant, si vous êtes rebelle, si vous êtes pécheur, si vous êtes un, un habitué dans l'injustice, dans et qu'il y a de pieds d'achoppement qui sont devant vous, vous pouvez piétiner, tituber et cogner votre tête, et cogner votre pied. Votre propriété peut se perdre, votre vie peut se perdre parce que vous n'avez pas vu. Le piège devant vous. La condition, c'est que vous n'avez pas obéi. Vous êtes, vous marchez ici, vous marchez là-bas, vous retrogradez, vous péchez. Vous êtes injuste. Tout ceci, vous, il ne peut pas envoyer son ange pour vous sauver. C'est parce que nous lui obéissons. C'est parce que nous lui faisons confiance et nous faisons confiance à sa parole. Et c'est parce que nous obéissons à sa parole implicitement que il dit ici que lorsque vous êtes obéissant et que vous faites de l'Éternel votre habitation. Il donnera son ordre à ses anges qui vous porteront dans leurs mains pour que vous ne heurtez pas vos pieds contre une pierre. Le verset 13, le verset 13, le verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Pourquoi, pourquoi, le verset 14, puisqu'il, puisqu'il, voyez-vous cela, puisqu'il, puisqu'il, la condition est là, puisqu'il m'aime. Je le délivrerai parce qu'il m'aime et parce qu'il a placé son amour sur moi. Si vous aimez quelqu'un, vous allez le regarder, vous allez l'honorer, vous allez le considérer et vous allez lui obéir. Nous obéissons à Dieu. Si nous n'obéissons pas, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je t'aime, je t'aime, et on n'obéit pas, ça c'est juste un amour de la bouche. Ce n'est pas réel. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît. Voyez, vous il le dit. Il nous dit, je fais ceci, je lis, je le dis pour à ceux là qui m'honorent. Je le dis pour ceux là qui obéissent à Dieu. Je le dis pour ceux qui donnent la révérence et le respect à Dieu. Il dit, puisqu'il connaît mon nom. Verset 15. Verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Ça c'est l'alliance là, ça c'est l'alliance. Il dit à cause, à cause, puisque, parce que, si, parce que tu as placé ton amour sur lui et parce que tu fais de lui ton habitation et parce que tu es obéissant à lui et parce que tu es né de nouveau et que tu démontres l'évidence de la nouvelle naissance, il dit, à cause de cela, il ordonnera. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Quelqu'un n'a qu'à crier Amen. Un roi onze. Un roi onze. Un roi onze. Un roi onze. Le verset 9, 1 roi 11, verset 9. Et le Seigneur se mettait, le Seigneur fut irrité contre Salomon. Pourquoi? Parce que, parce que, c'est Salomon, c'est de lui qu'il avait dit, tu as demandé quelque chose que j'ai, qui m'a plu. À cause de cela, je te ferai, je te rendrai riche. À cause de cela, je vais t'élever. À cause de cela, je ferai ci, je ferai ça pour toi. Je te donnerai la sagesse qu'aucun roi avant toi n'a jamais eue. Et après toi, personne n'aura la sagesse que tu auras. Tu es spécial parce que ta prière a plu à Dieu. Ta prière m'a plu. Maintenant, le Seigneur, le même Dieu qui était content avec lui, le même Dieu qui l'avait béni, le même Dieu qui l'avait promu, ce même Dieu s'est mis en colère contre Salomon parce qu'il parce qu'il parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu. Deux fois, regardez la faveur dont a joui Salomon et regardez la relation, l'interaction entre lui et l'Éternel. Regardez les grandes bénédictions que l'Éternel lui avait données. Mais maintenant, il a pris tout à la légère. La sagesse qu'il avait, la connaissance qu'il avait, la faveur qu'il avait eue, les bénédictions qu'il avait reçues. Maintenant, le Seigneur lui a donné les bénédictions. Mais comme il a tout pris comme à la légère, et il est allé pour épouser des femmes, des femmes étrangères et suivre leurs dieux, leurs idoles, lui, Salomon, et à cause de tout ce qu'il avait fait et toutes ses richesses, il a utilisé son argent, l'argent qu'il avait reçu sa richesse, pour bâtir des hôtels pour ses idoles de ses concubines. Il dit maintenant, l'Éternel fut irrité contre Salomon. Parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il y a des gens qui pensent. Oh, L'amour de Dieu est inconditionnel. Il pense qu'il vous aime et il vous aime pour toujours. Mais tu peux tomber dans la fossée, il t'aime. Tu peux aller dans un pays étranger, il est là, il t'aime. Il est là. Tu peux aller t a, t a, te procéder devant les idoles pour les adorer, il t'aime pour toujours. Vous allez prendre, tu peux prendre les gens désobéissants qui refusent d'obéir à Dieu, tu peux les avoir avec toi, il t'aime pour toujours. Le Seigneur était en colère contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Verset 10. Verset 10 il nous dit Il lui avait, il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et maintenant, il nous dit, dans le verset 11, le verset 11, il dit, et l'Éternel dit à Salomon, Salomon, viens ici, viens ici, je vais te parler. Salomon, puisque, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance, c'est une alliance conditionnée. Toi, Salomon, que tout le monde connaît, sage, intelligent, riche, et tu as le pouvoir pour faire cela. Et tu peux lire, tu connais le papier, tu peux lire, tu peux écrire. Je t'ai ordonné ceci, mais regarde la direction que tu as suivie. Tu n'as pas suivi mon alliance et mes ordonnances que je t'avais ordonnées, que je t'avais prescrite. Je déchirerai, je vais enlever le royaume de dessus toi. « Et je le donnerai à ton serviteur. » Un serviteur. Il avait un serviteur qui était bon, qui était intelligent, qui était puissant, qui était vraiment pointu. Et le Seigneur a dit, « Il a la capacité de diriger la nation, même si c'est ton serviteur. Je ne vais pas te, faire, te donner tout maintenant, mais je vais déchirer ça et te donner, et le, et te donner une partie, et donner le reste à ton serviteur. » Qu'est-ce que Salomon a dit Est-ce qu'il a dit, Seigneur, je m'excuse, c'est moi-même qui ai fait ceci, je m'excuse, eh, j'ai perdu mon privilège, je me répands. On ne sait pas si Dieu aurait changé ton avis s'il s'était répandu, mais il n'a pas fait ça. Le verset 40, le verset 40, le verset 40, le verset 40, il dit au verset 40 ce qui suit, parce que... Ce que tu as fait, verset 40, à cause de, ton, de ta désobéissance, à cause de ce que tu as fait, je vais déchirer le royaume et le donner à ton serviteur. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, le serviteur. Il a dit hein, hein, C'est ce que tu es en train de dire, Dieu, avant que tu ne lui permettes de venir prendre ma place, je vais le tuer. Ça, ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir lorsque Dieu est en train de nous corriger et en train de nous dire, « Voici, mon alliance c'est toujours de... mon tout, 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 là, ma, de, ma vision est toujours là, mais tu es en train de perdre à cause de ceci, à cause de cela. Bien, je vais mettre celui-ci à ta place. Ah, si c'est ça, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais, je vais le dribbler, je vais le torturer, je vais lui faire ça. Je vais lui faire ça. Je vais lui montrer que, il va, que je suis intelligent et que je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le tuer physiquement. Je vais le tuer théologiquement. Je vais le tuer spirituellement. Je ne peux pas le tuer physiquement, mais je vais lui faire ça spirituellement. Je vais le confondre. Mais comment vas-tu faire cela C'est ce que Salomon a fait, ça. C'est ce que Salomon a fait. Et, et Jérôme se leva et s'enfuit en Égypte. Seigneur, je veux accepter la promesse pour être roi. Comme tu as dit que tu vas me donner. Mais l'homme veut me tuer. Alors il a fui. Comment toi tu, tu fais pour vous renvoyer les gens de l'église Ils sont venus pour être bénis par Dieu, pour faire ceci, faire cela. Alors tu fais des manœuvres et tu cours de ci, de là, et tu les chasses de l'église. Et les gens fuient l'église à cause de toi. Et c'est l'homme que nous connaissons. Qui connaît la Bible, qui connaît la, la parole de Dieu, qui connaît les promesses de Dieu, qui connaît l'alliance de Dieu. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu poursuis en faisant ça dans l'église? Que les gens que tu, qui font faire ceci, qui font cela, tu essaies de les pousser et tu, tu fais des choses de conspiration et tu, les, tu te lèves contre les gens. Les gens fuient l'Église. On ne doit pas faire cela. Cela n'a pas bénéficié à Salomon. Il a renvoyé cet homme et il est parti jusqu'à sa mort avant de retourner. Salomon ne s'est pas réconcilié avec Dieu jusqu'à sa mort. Après que Dieu lui a dit, tu ne gardes pas l'alliance, tu ne m'obéis pas. Voici ce que j'ai dit, ce que je te ferai. Je l'ai dit à David, que si tes enfants marchent, marchent devant moi, comme je l'ai voulu, je ferai que leurs enfants suivent, poursuivent la royauté. Mais Salomon, tu as détruit toute l'alliance. Je suis en colère contre toi. Et il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Il est resté dans sa colère, poursuivant le serviteur pour le tuer jusqu'à sa mort. Quel serait le profit d'un homme s'il gagne toute la sagesse, l'autorité, le pouvoir sur la terre et il perd son âme Quel est son profit Dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 31, Jean 8, 31, et Jésus, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, qui avaient cru en lui si... Ça, c'est la condition. Nous, lui, nous croyons en lui. Si, maintenant, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quelles sont, sont les paroles de Jésus? Quiconque va s'humilier comme ce petit enfant, il sera élevé, il sera exalté. Si vous continuez dans ma parole, quiconque s'exalte lui-même sera rabaissé. Si vous continuez dans ma parole. Et si vous amenez votre dent sur l'autel et que vous rappelez que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez là votre dent, et retournez vous réconcilier avec, votre, avec le monsieur. Ça, c'est les activités que vous faites dans l'église. Laissez tout et allez vous réconcilier avec votre frère qui a quelque chose contre vous. Ça, c'est la chrétienté. Ça, c'est les paroles de Christ. Il dit que si vous demeurez dans ma parole... Béni soient les heureux, les purs les dans le cœur. Les heureux, les purs. Ceux qui sont purs dans le cœur. Ce n'est pas ceux qui essaient de faire ceci, faire cela, faire cela. Non. Mais ils sont purs dans le cœur. Ils verront Dieu. Ça, c'est le propos de Jésus. Il dit que votre justice doit excéder celle des scribes et des pharisiens. Sinon, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est les, les paroles de Jésus. Si vous demeurez dans mes paroles, voici sa parole. Celui-là. Vous hypocrites, vous apparaissez être bon extérieurement, mais au-dedans de vous, vous êtes, plus pu, vous êtes plus mauvais que les loups ravisseurs. Ça, c'est les propos de Christ. Pourquoi vous le faites, faire de l'hypocrisie votre mot d'ordre Pourquoi Il dit Maintenant Jésus dit à ces juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Pourquoi la, la vérité ne nous donne pas la liberté Parce que nous connaissons la vérité dans la tête et non dans le cœur. Nous savons ce que c'est la vérité. Nous avons appris à propos de la vérité. Nous avons entendu à propos de la vérité. Nous avons augmenté la connaissance sur la vérité. Mais pourquoi la vérité ne change pas nos styles de vie Pourquoi la vérité n'amène pas une vie qui est brillante pour la gloire du Seigneur Nous connaissons la vérité dans la tête, mais pas le transfert dans le cœur. Nous ne recherchons pas la vérité transformatrice. Et nos vies ne sont pas transparentes. Si nous connaissons vraiment la vérité dans notre cœur. Si nous connaissons vraiment la vérité. Et que nous sommes dévoués à la vérité. Et ne sommes pas dévoués à la tradition. Ni dévoués aux choses que les gens veulent voir. Si nous connaissons vraiment la vérité. La vérité nous affranchira. Cela nous affranchira au nom de Jésus. Même si nous, nous, nous faisons moins. Nous faisons moins. Vous savez, vous étiez en train de faire dix choses, dix choses, et vous suyez, vous travaillez, vous donnez tout votre 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 talent, tout, et vous faites dix choses. Mais c'est sur la plateforme de l'hypocrisie, le mensonge, la déception, la tromperie, hein, démontrant aux autres, trompant les gens, euh, détruisant la vie des gens, en détruisant la famille des gens. Vous faites dix choses, toutes ces dix choses, ne veulent rien dire devant Dieu. Rien, absolument rien. Mais nous connaissons la vérité maintenant. Ce qui est important maintenant, c'est quoi? Mon cœur pour Dieu, ma vie pour Dieu, ma dévotion pour Dieu, ma transparence devant Dieu. Même si je fais peu de choses, je fais six choses. Je vais laisser un, deux, trois, quatre choses. Parce que maintenant, beaucoup de ces choses... Si c'était, euh, je vais le faire, je vais le faire pour démontrer la reconnaissance que les gens me connaissent. Non, je vais faire moindre chose. Je vais faire de petites choses. Et le peu que vous faites avec la transparence de votre cœur, le peu de choses que vous faites avec une vie acceptable devant le Seigneur, serait tellement béni pour vous et pour les gens envers lesquels vous faites le ministère. Ne recherchons pas les activités, 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 avec l'hypocrisie qui suit l'activité. Avec l'injustice qui suit l'activité, avec l'insincérité qui est la base de l'activité, avec la destruction des autres personnes, la vie des gens, tout ce qui est sous la... Et cessez, cessez de faire cela et faites le peu de choses. Et lorsque vous faites le peu de choses dans la vérité, et que vous faites le peu de choses dans, 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 dans la totalité de la transparence envers Dieu, et que vous rappelez Dieu dans tout ce que vous faites, les bénédictions des gens... Auquel vous êtes en train d'administrer parce que l'insu de Dieu va suivre ce que vous faites. La puissance va suivre ce que vous faites. L'onction va suivre ce que vous faites. Et alors vous serez remplis de la liberté et vous rendrez les gens libres et tout le monde sera content de jouir de votre bénédiction de la part de l'éternel de votre vie. Et ce sera ici au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité, vous, vous, dites-moi la suite, hein, vous affranchira. Point numéro 3 présent. Point numéro 3. Nous considérons la prière courageuse de tous les bénéficiaires qui gardent l'Alliance. Comme je vous l'ai dit précédemment, la prière, c'est très bon, c'est très important, mais la prière n'est pas la clé. La prière n'est pas la clé. La prière de foi, la foi qui nous fait sortir de l'obéissance, ça, c'est la prière qui est la clé. Ce n'est pas toute prière qui est la clé. Lorsque vous priez. Et sous cette prière, il y a l'obéissance, le cœur obéissant. Sous cette prière, il y a un cœur sincère. Sous cette prière, il y a une focalisation, un cœur focalisé sur l'honneur de Dieu. Ça, c'est la prière que le Seigneur Dieu va reconnaître. Nous considérons un pied, un roi, un roi, un roi, 18, verset 21. Un roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à jusqu jusqu quand clocherez-vous des deux côtés, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. <laughs> Elie Eli, Eli était venue là, dit trois ans de famine sont venus et passés. Nous sommes dans la troisième année, la quatrième année de la famine. Et cette quatrième année de l'année, nous sommes déjà à, à la moitié de l'année. Maintenant. Nous continuons d'être les mêmes choses. Regardez la famine, ça ne cesse pas. La souffrance. Regardez tout est là, les morts par-ci par là, les maladies passées par là. Baal ne vous a pas aidé, n'a pas aidé la nation. Votre adoration hypocrite n'a pas aidé la nation. Votre désobéissance, la vie désobéissante que vous menez, n'a pas aidé la situation. Mais non, si Dieu est Dieu, suivons le nom. Et si c'est Baal, suivez-le. Ils n'ont pas pu répondre. Maintenant, Elie a fait une proposition. Maintenant, que ces prophètes de Baal se mettent là pour prendre un taureau et qu'ils prient. Ils n'ont qu'à sacrifier le taureau et ne pas mettre du feu. Je vais également faire pour moi. Maintenant, chacun va invoquer son Dieu. Le Dieu qui va faire amener le feu sur l'autel, c'est lui qui sera Dieu. Donnez-moi bon amen. Vous connaissez l'histoire très bien. Alors. Les gens là, ils étaient venus, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils se sont coupés même, ils se sont fait des incisions, ils ont couru, ils ont chanté, ils, cha ils ont chamaillé, ils ont crié et rien ne s'est passé. Et Élisée a dit mettez-vous de côté. Et il a réparé l'autel. Il a demandé de verser de l'eau, ils ont versé de l'eau. L'eau qui ne devait pas permettre au feu de prendre, <laughs> à cause d'une prière courageuse, il a dit Dieu, le Dieu du ciel, je viens devant toi à cause de ce peuple. Et avant qu'il ne finisse de prier, le feu est tombé. Une prière courageuse. Personne n'a jamais fait une prière de pas, une prière, pareille prière de pas le passé. Personne dans toute l'histoire de la Bible. Malgré cela, cet homme avait le courage de faire cette sorte de prière. Et Dieu lui avait donné la réponse. Si nous sommes obéissants au Seigneur, sauvés, sanctifiés, nos prières seront exaucées. Après ce temps, il a traité avec les prophètes de Baal qui étaient là, les faux prophètes qui étaient là. Et il a dit à Akab Akab, prépare-toi, prépare ton char et quitte maintenant. Et cet homme, Élie, il était courageux dans sa prière. Il, des avesseurs allaient descendre. ça qui n'était pas venu depuis trois ans et demi. Il a prié et il a dit à son serviteur Vois, va voir. Le serviteur dit Je n'ai rien vu. Pourquoi tu n'as rien vu Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ne voient rien Va encore. Il est parti, sept fois il est revenu, il a dit Maintenant je peux voir, vous verrez la main de Dieu. Le feu est descendu et la pluie est descendue. La prière courageuse. Regardez le suivant, le suivant qui est là, dans 1 Samuel. Le suivant c'est dans 1 Samuel, 1 Samuel, chapitre 7, le verset 8. Vous savez, le peuple d'Israël était allé loin de Dieu et les enfants d'Israël ont dit à Samuel ne faut pas cesser de crier pour nous, envers l'Éternel. Notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Regardez le verset 9. Regardez le verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. L'Éternel vous exaucera. Regardez le verset 10. Et le, le, lorsque l'Éternel le l'a exaucé, pendant que Samuel offrait l'holocauste, lorsqu'il le faisait sur l'autel, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Et il fut battu devant Israël. Vous avez perdu votre amène là. Samuel a prié. Et tous ces Philistins, ils avaient leur ammunition, leurs armes, leurs armements, tout ça était là. Israël était là. Sans rien avoir, mais à cause du courage, la prière de courage de, de Samuel, immédiatement, Dieu a exaucé et il a envoyé son tonnerre et il les a mis en déroute devant Israël et il les a battus. Alors, est-ce que Dieu peut encore faire cela Il peut le faire. Il dit Je suis Dieu, je ne change pas. Mais nous prions, prions, prions et rien ne se passe. Monde de tête ordinaire n'est pas guéri. Nous prions, 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 prions. Et l'Ulcère n'est pas parti. L'Ulcère est toujours là depuis 6 ans, depuis 7 ans. Et nous prions, 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 prions. Rien ne se passe. L'autre est là, il meurt du cancer. L'autre est en train de venir eh, Il a la cécité. L'autre est en train d'avoir l'aveuglement. L'autre est en train d'avoir le problème dans son jeune âge. Nous prions, 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 nous jeûnons, nous jeûnons nous gênons. Et les choses ne se produisent pas. Mais ça se passe ailleurs. Ça se passe là où nous, les, gens, les gens sont là-bas de l'autre côté. Je peux vous dire, des témoignages sur des témoignages se produisent un peu partout. Des choses que vous n'entendez même pas. Mais après, les croisades, on m'envoie des choses et on dit, ce s'est passé, ceci s'est passé, ce s'est passé. Je des témoignages. Terrible, même à des gens qui sont dans d'autres religions ailleurs, des choses spectaculaires, des choses spirituelles, des choses surnaturelles qui leur arrivent partout. Mais nous autres ici à la maison, parlons à nous-mêmes. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Qu'est-ce qui est -ce qu y a dans notre cœur? Qu'est-ce qui est -ce qu y a dans nos vies? Qu'est-ce qui se passe au juste Qu'est-ce qui nous arrive Que toutes ces bonnes choses qui se produisent ailleurs sur les autres, lorsque nous allons là-bas pour prier une fois en passant, mais ici où nous sommes toujours, cela apparaît comme le ciel est soleil. C'est à cause de ce que nous n'avons pas répondu à la parole de Dieu comme cela se doit. Les choses doivent changer dans nos prières. Pour que lorsque nous sommes obéissants vers l'éternel, lorsque nous serons en train de parler, comme Samuel était en train de prier, Dieu va envoyer le tonnerre, il va détruire tous ces démons au nom de Jésus. Regardez à Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, le verset 5. Actes chapitre 12, le verset 5. Pierre était gardé en prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre, le, le chevalier de la, des apôtres, Jacques était déjà parti. Et à Hérode a dit Pierre aussi est le second, le suivant, et il ne va pas échapper à ma main. Il a emprisonné. Le jour où. Il devait le toucher, le faire sortir pour le tuer et le détruire. Et pour qu'on oublie détruire et détruire l'église. Hérode n'est pas puissant pour détruire l'église. Il n'est pas aussi puissant. Sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer. Ce n'est pas une porte, mais toutes les portes du séjour de l'enfer. Les portes d'Hérode, les portes de Pharaon, les portes de Pilate, les portes de tous ne pourront pas prévaloir contre cette église. L'église qui court après l'agenda de Dieu ne peut pas être détruite par des hommes sur la terre, les hommes qui ont des puissances ou des agendas terrestres. Et le chrétien qui suit l'agenda de Dieu, le plan de Dieu, ne pourra jamais être détruit. Par quelque homme que ce soit, quelque femme que ce soit, quelque groupe d'hommes que ce soit, qui soit ici ayant l'agenda de l'homme au nom de Jésus. Pierre était gardé en prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Lisez cela dans le verset 7. Le verset 7. Et voici. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, réveilla Pierre, réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant Lève-toi promptement les chaînes tombèrent de ses mains. Votre amène est où? Vous avez compris? Pierre était enchaîné par des soldats. Et ces soldats devaient le surveiller pour qu'il n'échappe pas. Et les chaînes étaient faites de, euh, de, de fer. Et quiconque bouge, les chaînes vont faire du bruit. Et puisque c'est des chaînes qui sont de côté et de l'autre. Il n'y a pas de façon pour qu'il s'échappe. Mais l'ange est venu, l'a touché juste pour lui dire de se lever. Et dès qu'il s'est levé, les chaînes, les chaînes, les chaînes, au pluriel, les chaînes tombaient de ses mains. Les soldats étaient là, à gauche, à droite, n'ont pas entendu le son ou le bruit de, de, des chaînes tombées. Le soldat à gauche n'a pas entendu, le soldat à droite n'a pas entendu le bruit de la chaîne. Et ils n'ont même pas senti un mouvement. Et l'ange lui a dit, mets tes souliers. Il a mis ses souliers. Et ils ne se sont pas réveillés. Et les chaînes dans, sur leurs mains sont devenues plus lourdes. Parce que les chaînes étaient à leurs mains et aux mains de Pierre. Et cela, ils sont continués. C'est comme s'ils si vont continuer de dormir. En votre faveur. Et l'ange a dit à Pierre, suis-moi. Et ils sont sortis. Mais il y avait des gardes. Il y avait des gardes à l'entrée, l'un à gauche, l'autre à droite, et ils avaient leur arme à la main, même si une souris passait, hein, le soldat allait va tuer la souris là, mais comme Pierre était arrivé au portail, le portail s'est ouvert de lui-même, Amen les cadenas se sont se sont se sont ouverts. Tout ce qui est cadenassé devant vous va s'ouvrir devant vous au nom de Jésus. Alors, le, la porte la porte de fer, la porte de fer, cette, est, est ouverte et puis passez par là. Ils sont venus au deuxième portail de fer et le portail s'est ouvert automatiquement. Le, la, le ciel n'a pas besoin de la clé de de, de ce cadenas. Il est le créateur de toutes choses et ce cardinal va s'ouvrir devant lui au nom de Jésus. L'ennemi peut penser qu'il a qui vous a enfermé et qu'ils ont des gardes autour de vous pour vous intimider avec tout ce qu'ils ont en main. Et lorsque vous voulez sortir Juste en regardant leur visage, vous allez vous allez vous allez cogner les pieds l'un contre l'autre. Et vous allez dire non, 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 Ange, laisse-moi tranquille, je vais retourner. Qu'en voyant, jusqu'en voyant le visage de ces soldats, ces gardes, regardez ce qu'ils ont en main. Non, non, non. Le Seigneur va fermer leurs yeux te concernant. Et le Seigneur fermera tes yeux les concernant. Le deuxième portail s'est ouvert. Et ils sont passés. Moi, je vais de l'avant. Je dis, je vais de l'avant. Et alors, Pierre s'est rendu compte, voici, ça c'est une délivrance. Il pensait qu'il était en train de rêver. Ça, ce n'est pas un rêve. Ce qui s'est passé dans ta vie à partir de maintenant les bonnes choses, tu penseras que tu es en train de rêver. Ce ne serait pas un rêve, ce serait la réalité au nom de Jésus. Alors, il est venu, il est sorti totalement de cette prison dans ce même chapitre. Regardez le verset 21. Au verset 21, ce même chapitre, ce même chapitre de 12, ce même chapitre 12, à un jour fixé, l Hérode, celui qui avait emprisonné Pierre, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, harangua le peuple publiquement. Verset 22, 22. Et le peuple s'écria. Ça, c'est ce que les peuples font. C'est ce que les gens font. Ils loue les mauvaises personnes. Ils humilient les bonnes personnes. Ils exaltent le méchant, le destructeur. Et ils détruisent le bienfaiteur, le développeur. C'est ce que le monde fait. C'est ce que le monde fait. Le monde n'a pas changé jusque-là. Et ils ont crié c'est la voix de Dieu. Et non, d'un homme. Le verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur, l'ange qui avait délivré Pierre, qui l'avait sorti de la, du donjon, de la prison, le même ange, le frappa. Il avait délivré Pierre. Il avait frappé aux côtés de Pierre. Il s'est levé. Mais il a frappé Hérode. La même main qui a frappé Pierre, qui s'est levé. Il a frappé Hérode et il a rendu l'âme parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Et il a été rongé par les vers et il expira. L'ange de Dieu est là. Pour vous, il va agir positivement. Et l'ange de Dieu est toujours là. Et pour eux, il va agir de façon destructive. Nous considérons le chapitre 13 de Actes, Actes chapitre 13, nous lisons le verset 3, au verset 3 il dit, alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait le main et les laissait partir, verset 8, verset 8, Paul les a laissé partir, ils sont partis dans le ministère. Et le ministère dans lequel ils sont allés maintenant, le verset 8, voilà ce qui s'est passé. Elimas, le sorcier, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Vous savez, il y a des gens. Ils ne craignent personne. Ils craignent Barabbas, ils vont craindre Barabbas ou Pierre ou Paul. Ils n'ont peur de personne. Ils n'ont pas peur d'un pionnier. Ils n'ont peur de personne. Ils n'ont peur de quiconque. Personne. Ils sont là seulement avec l'audacité la, la, pour leur la destruction. Regardez Elimas, le sorcier. Elimas, le magicien. Lorsque quelqu'un tente de faire le mal et qu'il est en mesure de le faire pour longtemps. Et que personne ne se rende compte, le, 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 le proconsul ne savait même pas que celui-là avait un autre esprit qui était en lui un pouvoir démoniaque qui le qui l'empêchait d'écouter la vie, la parole de la vie éternelle. Pourquoi ne pas comprendre qu'il y a des gens comme ça qui sont là, qui ont ce pouvoir au-dessous au d'eux, des pouvoirs occultes, des pouvoirs de, 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 de magiciens, des pouvoirs de sorcellerie, des pouvoirs euh, 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 de ténèbres c'est ça, c'est ça qu'il faisait. C'est son action et c'est son nom. Magicien. Il faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, c'est de ça que nous parlons. La prière courageuse. Regardez ici, ça, c'est la première fois que Paul et Barabbas. Son, Paul et Banama sont sortis pour aller sur le champ de la, euh, de la mission. Et voilà, cet homme mauvais, avec la, le mauvais esprit, avec la puissance magicienne, avec l'agenda et le plan mauvais, lorsqu'il a déjà confronté, il a dit on nous a dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Vous voyez beaucoup de gens, beaucoup de croyants. La première des choses, lorsqu'ils vont faire que quelqu'un, ils voient quelqu'un avec la puissance occulte, avec la puissance méchante, avec la puissance spirituelle, avec la puissance des gangs, lorsqu'ils ont cela et que vous arrivez et que c'est vous qui est en opération, ils voyez que la personne en train d'agir, alors vous baissez votre tête comme ça. Je ne veux pas qu'ils voient. Je ne veux pas qu'ils voient. Votre tête est confuse. Lorsque vous avez l'esprit de Dieu en vous et que vous êtes obéissant à Dieu, et que vous avez participé au bénéfice de l'Alliance. Vous allez regarder tout droit dans le visage de cette personne et le feu au-dedans de vous, qui est de l'esprit, qui sortira de vous, va brûler l'esprit qui en est en lui au nom de Jésus. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, le verset 10, homme oh, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils sont du diable, Ennemi de toute justice. C'est comme ça que vous allez prier. Lorsque vous priez avec courage, c'est comme ça qu'on prie. On ne prie pas en train de parambuler, en train de baisser, en train de, 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 de faire pour dire que j'essaie de dire la chose qui est correcte. Je ne veux pas savoir qu'il sache ce qui est dans mon cœur. Dieu sais ce qui est dans mon cœur. Je veux faire la prière en cachette. Une prière qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de force dans cette prière. tout bougez. Et dit Toi, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu pas de perverser les voies droites du Seigneur Et le verset 11, dit, maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Paul, <laughs> tu viens de venir pour la première fois, hein, et tu parles à un homme comme ça pour dire qu'il va être qu aveugle, sera aveugle, et qu'on est, qu est ici ne devient pas aveugle quand est il si Dieu n'exauce pas cette prière? Est-ce ne vaut pas dire que tu es trop téméraire? Cet homme a, pu, a, le, a le pouvoir. Hein? Fais attention avec, laquelle, avec la façon dont tu traites avec cette situation. Nous vous c'est ce qu'on appelle la prière courageuse. La prière courageuse de Paul. Danser pour les croyants, les bénéficiaires de l'Alliance. Il dit Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt. C'est ce que Dieu va faire pour vous également. Aussitôt, je dis c'est ainsi, Dieu va exaucer à vos prières. Ah ouais? Nous avons plus de pouvoir si nous sommes obéissants envers l'éternel, si nous sommes sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit. Nous avons plus de pouvoir que ces gens qui sont dans le monde et dans le village qui essaient de jeter quelque chose envers vous spirituellement. Pour envoyer quelque chose qui va tra transcender les mains pour que ça vienne ici. Avant de venir ici, ça va retourner les, les voies. Il dit aussitôt, aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. J'espère Je, que vous avez compris. L'homme a perdu sa vision immédiatement. L'homme a perdu sa, son travail immédiatement. Et il n'a pas, pas pu rester avec le, le proconsul pour le désengager et pour l'empêcher et pour arrêter sa vie. Il n'a pas pu. Il a perdu son pouvoir. Il a perdu son occultisme. Il a perdu sa vision. Il a perdu son travail. Et il a perdu le respect qu'il avait l'habitude d'avoir auprès du proconsul. Le proconsul qui le mettait en haut, sur le pied de la puissance, il a tout perdu, il a tout perdu, il a tous ces gens qui essaient de combattre contre qui que ce soit qui se tient dans l'alliance, dans la bénédiction de l'alliance de Dieu, ils vont tout perdre, et il est allé en cherchant quelqu'un pour le guider en tâtonnant. Verset 12 maintenant, verset 12 maintenant, alors le proconsul voyant ce qui était arrivé, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Nous voyons à présent Psaume 50, Psaume 50, verset 5. Psaume 50, verset 5. Cinq. Il parle des gens que Dieu appelle. Il veut que les gens s'assemblent pour lui, pour à, offrir une prière qui ne sera pas refusée. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes saints. Rassemblez-moi mes fidèles. Ce n'est pas les pêcheurs, les rétrogrades, les hypocrites. Ce n'est pas les gens qui sont de jouer à la religion. Ce n'est pas les gens traditionnels sans la vraie substance du salut. Je suis, Saint, je suis le Seigneur le Seigneur, non? Il dit rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance, alliance avec moi, pas le sacrifice. Ce n'est pas ceux qui viennent avec les mains libres, les mains vides, pas de sacrifice, le cœur vide, pas de soumission, la vie vide, pas de soumission, pas d'abandon. Les, 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 la profession vide, pas de d'abandon à Dieu. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Regardez le verset 15. Le verset 15 à présent, le verset 15. Invoquez-moi et invoque-moi. Au jour de la détresse, je te répondrai. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Regardez le verset 16. Regardez le verset 16. Et Dieu dit aux méchants. Et Dieu dit au peuple qui sont dans le péché habituel. Mais à ceux-là qui sont des adorateurs, qui ne veulent pas changer quoi que ce soit. Et Dieu dit à ceux qui disent Prie, 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 la prière à la clé, la prière à la clé. Mais la vie n'est pas changée. Mais Dieu dit oh méchant Quoi donc Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Méchant, pêcheur, euh, rétrograde ne veut pas se retourner, ne veut pas se repentir, ne veut pas faire la récession, ne voulant pas se détourner pour suivre le chemin de la justice. Oui, qu'est-ce que tu as à faire avec mes lois Que tu es là pour énumérer mes lois et que tu es là pour, avec mon analyse dans ta bouche. Regardez le verset 17, le verset 17, toi qui es la, les avis. Tu es là seulement à rechercher la, le pain et le beurre. Tu, tu hais les avis. Tu recherches de l'argent seulement. Tu recherches, tu recherches les choses physiques. Tu ne veux pas suivre la loi de Dieu. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, tout ce que tu entends, tu le jettes derrière toi. Tout ce qu'on lui dit, il le jette derrière toi. Il veut juste prier, prier, prier. Qu'est-ce que tu vas faire avec la prière? Et si tu jettes les paroles de Dieu, le verset 18, si tu vois un voleur. Tu te plains avec lui. Et ta part est avec les adultères. Oui, vous voyez les voleurs qui sont en train de rechercher là où ils vont se cacher, cacher leurs choses volées. Et tu vas dire Ah, tu cherches quelque part. Oh, il y a message, je vais mettre ça ici. C'est un voleur! Et tu l'amènes. L'argent qui a été volé d'un compte, ils vont le mettre dans ton compte. Mais ici, ils ne vont jamais savoir. Et tu vois toutes ces choses-là, tu dis que tu es adultère. Et tu es là avec les gens qui sont en train de faire les choses et tu es à te plaire avec eux. Ceux qui sont en train de, prosti de se prostituer et qui, qui prennent l'argent et qui viennent avec leur argent, tu dis oh, je ne sais pas, moi je m'en fous de là, ils ont pris l'argent. Ils viennent seulement, ils n'ont qu'à venir maintenant faire, faire la semence de déposer 1 million, cent millions. Et Dieu va vous bénir. Mais vous savez ce qu'ils font. Vous savez leur, la source de leur argent. Et vous savez la source des méchants ne doit pas venir dans le sanctuaire de Dieu. Mais tu es là, tu acceptes tout, tu fais tout cela. Et tu pries, 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 pries. pries. Et le Seigneur dit, cesse de dire ces prières devant moi. Tu penses que je suis quelle sorte de Dieu. Saint, 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 Saint est le Dieu tout-puissant au ciel. Nous devons apprécier la nature de Dieu, qui est la nature de la sainteté. Ce n'est pas seulement milieu de l'argent. Quand il, a, il va faire quoi avec votre argent? L'argent pour l'utiliser euh, pour sauver les pécheurs. Et lui-même, il est un pécheur. Son argent ne va servir à rien. Il vient tous les jours. Il vient toutes les années. Il est toujours là. Il n'a pas fait la réduction. Il n'est pas sauvé. Il continue de faire le mal dans lequel il est. Je suis pécheur. Il amène l'argent. Et le cerf va accepter l'argent. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ton argent? Il va faire quoi avec ton argent? Verset 19. Verset 19, il dit. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Verset 20, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà le verset 21, ce que tu as fait. Et je me suis tue. Tu t'es tu tu imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes... Dieu. Regardez le verset 22. Regardez cela. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. Vous qui oubliez Dieu. Vous vous mentionnez le nom de Dieu, mais vous oubliez Dieu. Vous venez au service, au culte, mais vous n'avez pas la possibilité d'aligner votre vie avec la parole de Dieu, à redresser votre vie. Vous continuez de faire la même chose de rébellion injuste, pécheresse, habituellement, jusqu'à ce que. Vous continuez dedans jusqu'à présent, vous le faisiez auparavant et vous continuez de le faire, de peur que je ne vous déchire sans que personne délivre. Verset 23, verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Les bénédictions de Dieu, les bontés de Dieu, l'accomplissement de la promesse, des promesses de l'alliance de Dieu, il va mener tout cela dans l'accomplissement lorsque nous détournons complètement vers lui de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Et nous l'aimons sans réserve à partir de ce jour. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus. Et alors, nous allons penser à toutes ces choses que le Seigneur même a dit, ce qu'il a enseigné aujourd'hui, ce qu'il a enseigné pendant toutes ces années que nous avons fait avec lui. Nous sommes là, nous obéissons plus à la parole de Dieu. Nous sommes en train de vivre seulement dans la vie d'une, d'un chrétien de nom. Nous ne sommes plus vie profonde. Nous n'avons plus la vie élevée, la vie spirituelle élevée. La vie est devenue superficielle. La vie est devenue vie de base. On peut même seulement parler à Dieu pour dire maintenant, Seigneur, je découvre maintenant. Vous ne pouvez pas vous repentir à la place de quelqu'un. Quand vous ne pouvez pas respirer à la place de quelqu'un. On ne peut pas boire le pour étancher la soif pour quelqu'un. Mais vous le ferez pour vous-même. Celui qui a envie doit le faire pour lui-même. Celui qui veut revenir à la vie doit le faire pour lui-même. Celui qui désire que la faim qu'il a soit assouvie, que cette personne doit se détourner. Celui qui va suivre la parole de Dieu, suivre le Seigneur et recommencer une nouvelle vie en Christ, il doit le faire pour lui-même. Et le Seigneur dit, quiconque ne va pas le glorifier, ne va pas le suivre, il va déchirer cette personne et le... Mais celui qui va le faire, il va lui montrer le salut. Je suis sûr que c'est le temps pour vous. Je dis, c'est le temps pour vous. Levez-vous maintenant et parlez à Dieu dans la prière. Ne faites pas la prière hypocrite. Faites la prière de conviction. La prière de, de, de courage. La prière qui tient sur la parole de Dieu. La prière qui est prête à obéir à la parole de Dieu et qui dit Il va exaucer depuis le ciel. C'est ce que le Seigneur dit. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu dans la prière.